en parlant des estimations relatives à l'issue du scrutin au terme de la vérification des données systématiques statistiquement représentatives des bureaux de vote au niveau national, le COS peut faire une estimation des taux de participation des citoyens au scrutin de 61,6% avec une marge d'erreur plus ou moins, de plus ou moins 0,8%. Dans le même sillage, le COS peut se prononcer fermement au vu des données collectées de son échantillon statistique que l'issue de ces scrutins est soldée par un seul et unique tour. Pour nos conclusions et recommandations, le scrutin du 24 mars 2024 s'est globalement déroulé dans un environnement apaisé. La mission tient à cet égard à féliciter les autorités électorales et administratives pour l'organisation matérielle du scrutin en dépit des dysfonctionnements. Elle félicite également les candidats, les populations, la presse, la société civile et les forces de défense et de sécurité pour le sens des responsabilités et la maturité dont ils ont fait preuve lors de ce scrutin. La mission exhorte les parties prenantes à s'inscrire résolument dans cette dynamique de pacification de l'espace politique et électoral. La mission appelle les autorités électorales à publier les résultats du vote de bureau afin de renforcer la transparence des résultats du scrutin et ce, dans les délais requis. Dans le but d'améliorer la conduite des processus en vue des futurs électeurs, les futures échéances électorales, la mission formule au regard de ces constats les recommandations suivantes. L'autorité en charge des élections. Renforcer l'autonomie et l'indépendance des futures élections électorales, notamment par l'institution d'une haute autorité des élections. Clarifier les missions et les attributions des différents organes de gestion électorale impliquée dans la préparation et l'organisation matérielle des élections de manière à garantir une meilleure articulation. Relativement au droit de vote, réviser les dispositions du code électoral de manière à abroger la déchéance électorale automatique, automatiser l'enrôlement des citoyens ayant atteint la majorité électorale et la radiation des électeurs décédés. Faciliter l'enrôlement des plus bons votants en leur permettant, au-delà de la carte d'identité, de s'inscrire avec l'extrait de naissance ou le récépissé de la carte d'identité. Autre recommandation, faciliter l'exercice du droit de vote des électeurs impactés par les découpages administratifs. Informer. Je voudrais rajouter quelques dispositions rapides par rapport à la carte des électeurs, procéder au découpage de la carte nationale d'identité et de la carte des électeurs, envisager la possibilité de voter ces présentations de la CNI, la carte nationale d'identité, tout en facilitant l'accès aux informations électorales. Nous avons proposé aussi qu'il serait nécessaire d'assurer la traçabilité des cartes d'électeurs de manière à localiser celles qui ne sont pas distribuées. Autre recommandation que nous vous proposons, revoir les dispositions de l'article L54 de manière à mettre en place les commissions administratives de distribution dès la disponibilité des cartes issues de la révision exceptionnelle des listes. Ajoutons, pour ce qui est du contrôle du fichier électoral, mettre à disposition les registres électoraux pour un audit de la société civile, contribuer à fournir une évaluation indépendante de la qualité du fichier et cibler les mesures de sensibilisation et inscription des électeurs pour les prochaines séances. Revoir les délais de mise à disposition de la liste des électeurs aux candidats de manière à faciliter la distribution auprès des plénipotentiaires au moins 30 jours avant le scrutin, en même temps que la publication de la carte électorale. Quant à la déclaration de candidature et le système de parrainage,
nous avons pensé qu'il faille instaurer un système d'enregistrement et de contrôle des parrainages avec plus de transparence et contrôle par les candidats et la société civile non partisans et indépendants. En même temps, mettre en place auprès de l'autorité de gestion des élections une commission de réception, et d'enregistrement des parrainages qui délivre, après contrôle, une attestation de validation et prévoir la possibilité d'ouvrir un contentieux auprès du Conseil constitutionnel, bien évidemment. Engager une réflexion sur l'exclusivité de la nationalité du candidat à l'élection présidentielle, les conditions et modalités de production de l'acte de renoncement en cas de double nationalité, bien entendu. Je voudrais, pour ma part, vous remercier.